Café noir, écran noir. C'est le premier enregistrement que je fais avec OBS. Je n'utilise plus XSplit, je ne paye plus cette licence. Et je fais comme tout le monde. Je suis passé à OBS, logiciel open source et gratuit, qui a l'air assez puissant quand même. Donc, ben, j'espère ne pas me rater sur l'encodage, les volumes et tout le toutim. Et après avoir... Qu'est-ce que c'était le dernier jeu que j'ai fait? Parce qu'en ce moment, il y a Nier Automata qui sort. Il y avait Half-Life Alyx. Ah oui, et Control. Wouf, oulala, Control, dur. Après ça, un peu de calme, de sérénité, peut-être. Avec Jusant. Donc on va regarder ça. Contrôle, un spécial, accessibilité, pas besoin, vidéo fenêtre, moniteur, FPS. Ah, bah je vais me limiter à 60 pour le coup. Voilà. HDR, je peux pas l'activer. Bon, de toute façon, tout est à fond. Ah non, tout n'est pas à fond. Allons-y, allons-y gaiement. Et ça, je sais pas. Je sais pas quel est le meilleur. DLSS 3. Nvidia, allez. Qualité. Netteté. Oh, j'en sais rien. J'en sais tellement rien. Faible latence, pas besoin. Frame génération, pas besoin. DLA, équilibré, performance. Performance ultra. Netteté. Oh, je mets tout à bloc, je suis un fou. Et on va voir si ça capture bien. Extra, galerie, lettres. Ok, ça doit être les collectibles. Et nouvelle partie. Jusant, terme maritime qualifiant la période pendant laquelle la marée est descendante. Ok. Ah oui, c'est directement illustré. Une DA tout en douceur, couleur pastel. Une animation fluide. Oh, jolies les traces de pas dans le sable. C'est beau, hein. Dans tous les sens du terme. Ça donne envie de partir à l'aventure. Jusant. J'avais jamais entendu ce terme avant. Le jusant, du coup. Oh, j'adore la fluidité des animations. Très très beau. Ok, ça doit être un pic qui n'est accessible que lors du jusant. Ah, on voit une structure un peu particulière avec une ouverture en forme de cercle.
on n'est pas tout seul. Ah ben voilà, la structure en question. Ah oui, il y a des passages. Ah, c'est là que ça démarre. C'est quoi ces trucs bleus ? Chapitre 1, amer. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Ah, oh, magnifique. Waouh. Ah ouais, magnifique. J'aime bien, même la technique, là, la façon dont la roche est faite. Ah, c'est beau, hein. Et c'est surprenant d'avoir cet univers maritime présent, en fait. Je le savais pas. Pourtant, j'avais vu les trailers, alors ça m'a peut-être échappé. Ah, mais c'est du plancton, ça. Comment on regarde? On peut pas zoomer. On peut sauter. Ah ouais, le saut est timide. Ah, le crabe, il nous fuit. Ouais, on est haut, là. Ah, il y a un passage en bas, quand même. C'est de là d'où on vient, je pense. Alors, par où on va passer? Là. Grimper. Alors, LT ou RT, donc pas besoin des deux, ok. Chercher une prise. Ah ouais, d'accord. LT, maintenir. Ah oui, et on relâche. Oh, trop bien. Ah, c'est marrant, j'avais déjà imaginé un gameplay comme ça. Je m'étais dit que ça devait être super chaud à faire et eux l'ont fait. Ah, très bien. Très agréable. Oh, et ça a dû être chaud à faire. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est des insectes. Maintenir pour rembobiner. Ah, c'est trop beau. Oh, les oiseaux. Ok. Ça donne vraiment envie de partir à l'aventure. Il y a un côté grisant. Les hauteurs, là. Ces accroches permettent de sécuriser automatiquement. J'ai pas suivi. De sécuriser, on sait pas quoi. Trop bien. Ah non! Ah d'accord, il faut d'abord que j'agrippe. Ah bah non, il grimpe tout seul. Ok. Très étonnant ce plancton. Oula! Ah ouais, une coque de bateau qui pend. Où est-ce que ça se passe? J'imagine... Ah voilà. J'imagine que dans ce jeu, on va être pas mal guidé. Vous voyez, je peux quand même bouger les bras. Hein. Je sais pas si... J'ai pas explicité, mais on peut vraiment choisir ses prises. Très cool. Très très cool. Le jeu a l'air fluide. Hein. Ah! Ok. Ok, c'est main après main. Et il croise les mains. Oh là là! Excellent. Ok, donc on va passer là. Oh, je suis bluffé par le mouvement du personnage. C'est tellement réaliste. Ça a dû être tellement dur à coder, ça. Incroyable.
Ça me fait du bien aussi qu'il n'y ait pas de musique, juste le bruit du vent. Enfin, du vent, non, de la marée au loin, peut-être. Les trois petites icônes représentent les pitons secondaires. Pleines, ils sont disponibles. Vides, ils sont déjà attachés une paroi. D'accord. J'ai des pitons. Ok. Alors, je sais pas trop comment je vais m'en servir. Ah, là, peut-être. Oh là là. X, maintenir. Maintenir pour charger un saut. Mais on saute où? On descend? Attendez. Ah, là! Là, là, là. Oh là là. D'accord, oui, c'est... Oh! Non! LB descendre. Ok, monter. Waouh! Oh, waouh! Ah, la sensation! Alors, attendez. Voilà, je m'accroche là. Viser. J'y arrive pas. Alors, faut que je vise vraiment haut. Oui. Ah, et ça, ça doit être la longueur de la corde. Ouais, au début, c'est permissif, mais on va voir que la jauge représente l'endurance. Ménage-la et recharge-la pour ne jamais chuter. Alors, on la ménage comment? Avec un piton, peut-être. Ouf, c'est bon, il l'attrape. Ah ouais, ça va devenir plus dur, là. Ça se sent. Ok, ok, ok. Faites voir, je pose un piton. Ah, d'accord. Ça me sert à revenir là si je tombe. C'est un checkpoint, en fait. Ok. Ce qui doit être... Alors. Ouf. Ah ouais, c'est... Ah, c'est particulier, hein. Ok, là, ça va être facile. Je sais pas où il faut aller, en haut, en bas. Ah, là-bas, c'était là-bas. Ok. Si on nous dit de remettre un piton. Voilà. Et si je tombe, de toute façon, ça permet de recharger l'endurance, je pense. Ah, si j'appuie sur le joystick, il se recharge. Ok. Oh, je suis curieux de savoir comment ils vont donner de la difficulté sur les derniers niveaux. Mais c'est bizarre. On dirait qu'elle se recharge pas totalement, la jauge. Le gameplay est très très bien. Très très bien. Hop là. Ça grimpe, ça grimpe. On vient d'où là? J'arrive même pas à voir d'où on vient. Ça paraît tellement bas. Ok. Alors. Ah, est-ce qu'il y a des trucs derrière là? Parce qu'il y avait des collectibles. Ah! Ah oui, regardez. Il y a un symbole sur la paroi. En haut à gauche. Ça veut dire qu'il y a une cache ou quelque chose comme ça. Je vois rien. Là? Là. Ah, je sais pas. J'ai raté quelque chose, peut-être.
coup, c'est un peu détruit, là. Oh là là, qu'est-ce qu'on grimpe vite, on a pris la confiance, là. Oh là là, qu'est-ce qu'on est confiant. Ah, ici. Nouvelle veillée à retourner les pierres à l'ancienne embouchure. Récolte, 2 relais pour pièces. Bonne pioche. On devrait pouvoir rouvrir la voie vers Vieux Cap avec ça. Sinon, c'est l'accalmie. Quelques vieilles lanternes que je pense pouvoir réveiller. Les gens jetés de ces trucs. Ah, et j'ai enfin pêché une vieille machine à tricoter pour Ennio, depuis des cycles qu'il m'en demande une. Pas en grande forme, mais on devrait réussir à la bidouiller. C'est pas encore comment je vais remonter ça à basse mer, par contre. Note pour moi-même, ne plus faire commerce avec Rem. Il ne fait que désosser mes trouvailles et les revendre pour pièces dans les hauts. Ça se compte réparateur, mais c'est un vendeur d'écume. Voilà ce que c'est. Elle est jolie, la prose. Alors, est-ce que... Lettre. C'était bien la première. Ah, il y a marqué Bianca aussi. Lettre. Et galerie. Ça, je sais pas. Ok. Donc, de toute façon, c'était par là qu'il fallait passer, visiblement. Là, on peut monter. Basse mer. J'aime bien cette espèce de plancton, là. Joystick droit, ça fait rien. Joystick gauche, quoi. C'est pour se reposer, on a dit. Placer ton accroche principale. Ok. Oula. Oula. Ah non, je me suis gouré de touche. J'appuyais pas sur les bonnes gâchettes. C'est pas ce que je voulais faire. Faut aller où, là? Attendez, j'ai raté un truc, c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille? Non, je pense qu'il faut que je... Bon, ok. Non, y a rien. Ah, bon, on descend, tout simplement. Ah, d'accord. Oui. Oh, très bon. Très, très bon. Et on s'accroche. Génial. Oh, trop bien. Allez, on récupère. Excellent. Là-haut, là. Ah, il va y avoir quelque chose ici. Y'a quoi ici? Faut pas que je tombe. Ah, d'accord, c'est pour redescendre. Je crois. Hein. Ah, je sais pas du coup. Est-ce que je peux y aller? Parce que si je descends là. Ah oui, d'accord, oui, c'est bien. C'était bien là où j'étais, donc c'est pas un nouveau passage. Comment je remonte? Voilà. Eh bien, très très agréablement surpris du gameplay. Je pensais pas que c'était aussi à la fois détaillé dans les mouvements, mais aussi accessible dans la prise en main. C'est très bien fait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas une lettre. Ah, c'est pour écouter la mer. Ah, c'est un souvenir, peut-être? Ah, ça recommence, ok. On n'a pas grand chose, hein, c'est... Ouais. On a rien, même, pour ainsi dire. Allez, allez. Yes.
Donc, là-bas. Ah oui. Quand même fouiller par là. Il y a des trucs là. Yeke, comment ça se passe à la Syrie? Dis, les clients se font rares au resto. Personne n'a fait escale ou presque au dernier apéro musical alors qu'ils descendent des gens de partout. Je sais qu'on ne joue plus que des coquillages, mais quand même. Je me dis qu'en rajoutant un échafaudage sur le côté de la falaise à l'envers, ça aiderait à défier les partants dans ma direction. À dévier. Ça me manque de voir la terrasse remplie. Tu pourras bosser dessus? J'ai vu avec Basse-Mère, tout le monde est d'accord. Ah, c'était peut-être le souvenir qu'on a eu, c'était cette fabrication. Salut Mo, écoute, ça se passe. Me demanderas-tu parfois autre chose que désosser des bateaux pour en faire des échelles? Comme peut-être si je suis disponible pour un repas romantique, en tête à tête. Enfin bon, va pour ton échafaudage, puisque le village est d'accord. J'ai plus nombre de choix, avec la nouvelle voie vers la plaine qu'il a fallu charpenter, mais j'ai encore une épave ou deux de côté. Je te fais ça quand les courants le permettent. Je t'en dois une, merci, t'es la meilleure. Au fait, croises-tu la vieille Songea parfois? Il me semble qu'elle farfouille de ton côté en ce moment. Bref, si tu la vois, tu pourras lui dire que j'ai besoin d'une nouvelle planque pour mon four. La mienne est en train de prendre l'eau. Une nouvelle plaque, pas une nouvelle planque. Et en attendant, mets donc le cap pour le restaurant. Je ne sais pas si c'est romantique comme il faut, mais on peut toujours se partager des mi-cuits. Et donc je vérifie, mais ça devait être une seconde lettre. Ok, ok, ok. La terrasse. Alors. Youhou! On va où? Ah, là-bas. Ok, attendez. On descend, on descend, on descend. Ah, il y a une trace. C'est pas pour rien. Oula. Ouah! Voilà. Là. Oui, d'accord. Ah ouais, il y a une petite marge pour attraper quand même. Il y arrive. Même quand la main n'est visuellement pas encore à la bonne position, il y arrive. Oh! C'est quoi ces machins? Ouais, mais attendez, parce qu'il faut peut-être fouiller là avant. Ah non. Ok, là il y a la flèche donc. On va aller voir ces trucs là. Ah, c'est marrant ça. Ah! C'est pour repartir. Je descendrai bien, mais. J'ai peur que ce soit. Attendez, on peut descendre comme ça. Oui! C'est encore, encore un raccourci pour. Ah, mais ça veut dire que peut-être. J'ai une petite théorie, c'est qu'à la fin du jeu, il faut tout redescendre. Et c'est un espèce de. De petit plaisir à vraiment s'accrocher, descendre à fond, tout repasser d'une traite. J'imagine. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça sinon. Alors. Ah, ça va être là-bas. Pour arriver là-haut. Et ici, il n'y a rien. Non. Allez. C'est parti. Ah, il veut que j'en pose un là quand même, au cas où. Mais non, je gère. No panique. Ah, il y a quoi là? On peut descendre? Ouais, là c'est sûr, il y a un courrier ou un truc comme ça. La corde, bien, hein. Bonne physique, hein, la corde. Ah ouais, attendez, faites voir. Ah ouais, oh la vache, ouais. Bien joué. Bien joué, la corde. Là, regardez. Ce n'est qu'en commençant mon quart pour préparer la traversée que j'ai réalisée. C'est ma dernière rotation pour approvisionner Fumerol. Après, on se débrouillera avec ce qu'on a. Qu'est-ce que je donnerais pour que tout redevienne bain comme avant? Voir les gens heureux, les petits hauts grimper les parois pour plonger en les vagues.
Et nous autres, pêcheurs à l'eau, réapprendre à pêcher. Tout ce que les vieux nous comptent à longueur de veillée. Mais c'est assez de nostalgie. J'ai une caravane à préparer et un désert à naviguer. Ça ne va pas se faire tout seul. Si seulement. Tiens, c'est marrant. Cette histoire de caravane, ça me fait penser à Sandwich Caravan, un truc comme ça. Un jeu indé qui va sortir, qui sent l'aventure à plein poumon, là. Et qui est une prod française, hein, Jusant, je crois que c'est français. Il me semble bien, vu le nom, de toute façon. Eh ben, est-ce que ce serait pas la même team? Parce que c'est vrai qu'il y a une DA assez similaire. Ah. Poser un piton secondaire. Bah non, pas besoin. Ah ouais, là. Ah ouais, là. Oh la vache. Ah, il est bon, hein. Oh là là, il est bon en grimpe, lui. Je peux pas... Ouais. Ah, mais là, je me bloque. Oh! Comment il arrive à choper ça? Oh là là. Pour ceux qui ont essayé l'escalade... Bah, ah non, c'est celui-là. Ouais. C'est où? À droite, peut-être? Non. À gauche? Ah, là? Non. Ok. Je vois pas où il faut aller là. Maintenir pour charger un saut. Mais où? Rien en face. Bizarre, bizarre. Attendez. On se repose. Ah ouais, j'ai cramé de l'endurance là. Je vois pas où il faut aller. Non, c'est pas là. Non, mais je vois pas du tout. Ah, il y a une corde là-bas. Attendez, je vais essayer d'aller à l'extrémité parce que... Bah non. Je vois pas du tout. Je suis complètement bloqué là. Qu'est-ce que j'ai raté? Peut-être ça. Est-ce qu'on peut... Ah mais j'ai pas de prise. Ah oui, d'accord, quand j'appuie sur A, il lâche complètement. Ah, c'est fou, je vois pas du tout. Qu'est-ce que j'ai raté? Non. Ah, peut-être. Ah! Il y a un truc. Double saut, d'accord. Oula. Remonte, remonte. Vas-y, repose-toi. D'accord, il y a le double saut. Bah, attendez. Si on m'explique pas. Alors, le plus haut possible, on y est. Voilà. Waouh. Ok. Ah, oh, c'était chaud, hein. C'était chaud. Regardez-moi ce panorama là. Ah, faut arriver là-haut. Ah!
On peut directement. Ah, on peut sauter. Faites voir. Non. Ouais. Attends. Faut que je chope. Mais. Je suis au max. Ah oui, d'accord. Non, j'ai pas besoin de maintenir A. J'appuie sur A. Pas pareil. Ok. Oh, je me demande comment ça se joue si on n'a pas une manette, hein. Ça doit être horrible au clavier souris. Pour le coup, là, ça s'y prête pas, hein. Ok. Ah, je prends la confiance là. Ça y est, les doubles sauts et tout, hein. Excellent, excellent. Oh, la sensation de grimpe, elle est. C'est impressionnant de retranscrire ça avec un jeu et une manette, hein. On y est, hein, pourtant. Ouais, on se repose. Alors, on va où là, à votre avis? Là-bas, hein. Ah, on va peut-être contourner. Ouais. C'est où, c'est là? Hop! Ouais, je m'attendais à un jeu un peu plus plateforme de ce que j'avais vu, moins grimpe. C'est vraiment bien qu'ils aient totalement orienté sur la grimpe. Parce que ça donne un gameplay vraiment unique. Alors là, pour le coup, une version VR de ce jeu dans cet univers, waouh. Ça pourrait vraiment bien rendre. Il y a Crytek qui a fait des jeux de grimpe en VR qui ont l'air cool. Et ils sont pas donnés, sinon je me... Ah, là-bas. Je me les serais bien pris. Je vois rien. C'est sombre. On n'a pas... Mais attendez. C'est... Ah, j'étais obligé de venir là. Attendez. Parce que si je fais ça... Je rate un lieu. Donc en fait, là, j'allais au bon endroit où... Ah, je sais pas. Je vais où là, à votre avis? Ah, on dirait du plastique. C'est assez étonnant. Oh, comme l'espèce de plancton, hein, finalement. Bon, on va aller là parce que c'est l'évidence du début. Waouh. Oh, c'est magnifique. On est où là? C'est un village en fait, ça. C'est un petit village. Ah, les ah, comment ça s'appelle déjà ça? C'est un nom. Je l'ai plus. Je l'ai su, mais je ne l'ai plus. Ah, ça sent le succès, ça. Là, il y a de l'écriture. Oh, mais regardez-moi cette vue. C'est dommage qu'on puisse pas regarder à la première personne aussi. Ah, là-haut. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais vous imaginez le niveau de détail quand même? C'est magnifique.
C'est vraiment un truc de fou. Salut Bianca, t'as dû larguer les amarres pour je ne sais où. Je suis retourné au relais postal, pas de surprise, toujours à sec. Soli et Face continuent de trier tout ça à la main et je me suis fait embarquer pour donner un coup de pouce à la distribution. Moi, à d'autres caillasses? Je te laisse imaginer le drôle de spectacle que c'est. J'en rigole tout seul, je te le dis. Et en même temps, pourquoi pas, hein? Ça fait un peu nouveau départ. Et ça me plaît pas mal de voir du pays au gré du courrier. Enfin, ça serait plus sympa si cette satanée caillasse voulait bien virer de bord quand je lui demande. Il a la tête dure, je te jure. Pire que le vieux Yom. Sacrée galère quand même quand on y pense, non? Allez, je suis en train de rater la marée avec tout ça. J'ai mis ton courrier près de ta porte. Bien. Alors, est-ce que c'était le troisième? Ou est-ce qu'il y en a... Ah! Il y en a d'autres. Il y a un autre courrier. Peut-être là-haut. On va fouiller. Ah, là, peut-être en bas. Non. Le personnage est très, très, très agréable à manier. Il est bien animé et il n'y a pas de latence. On n'a pas l'effet GTA 4. Où il y avait une espèce de latence un peu désagréable. Là, oula. Ok. Ah, j'ai raté un courrier quelque part. Bon, tant pis. Donc là. Ah, on peut encore grimper là, non? Non, c'est bloqué. Ok. Ah ben. Journal de bord, 12 octaves après le jusant. Enfin le départ. Je suis tellement contente, je n'ai pas réussi à dormir. C'est à la vieille capitainerie qu'un mot a retenu mon attention. Il sonnait comme de la poésie. Expédition vers les nuages. Cherchons l'espoir et l'eau. Rendez-vous à 12 octaves. Ferme de Béka et Arlo, chant d'en haut. Depuis le temps que je marine en essayant de trouver un sens à ma vie, ça me fera du bien de voir du pays, comme dirait M. J'espère tellement que nous pourrons faire étape à son refuge. Rien qu'à l'idée de la revoir, je sais que je prends la bonne décision. Avec un peu de chance, il y aura d'autres motivés à partir depuis Basse-Mer. Je ne voudrais pas faire le chemin seul jusqu'au point de rencontre avec le reste de l'expédition. La seule fois où j'ai quitté les environs, c'était pour les fêtes des moissons, quand je n'étais que menu fretin. Alors une expédition comme celle-ci, n'en parlons pas. Ils veulent mettre le cap sur les nuages. Oh mince, mes parents, je les ai oubliés. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Salut les vieux, je pars à l'aventure, à la revoyure, si peut-être je rentre en vie. Mais bien sûr, Bianca, n'oublie pas de prendre de quoi goûter. Mieux valait ne rien leur dire. Et prendre de quoi goûter. Quoi d'autre? Qu'est-ce que les gens emmènent d'habitude pour ce genre de voyage? Une chose est sûre, pas d'expédition sans journal de bord. J'ai tout prévu. Je vais faire comme les expéditions qui partent dans la plaine de sel à la recherche des trous d'eau. Je vais semer mon journal en chemin pour les éventuelles personnes qui partiraient à notre suite. À commencer par ce message. Je te dis au revoir, mon phare. Tu m'as accueilli, intrigué, et tu m'as tenu compagnie pendant mes trop nombreux questionnements. Toujours là pour moi. Je te laisse aux Tisbecs, qui sauront veiller sur toi depuis le ciel. Et pour garder ce message, j'en laisse un fabriqué de mes mains. À l'aventure! Bianca. C'est quand même magnifique. Ah, c'était pas une lettre. Bon. Ah, on peut grimper là. Oh la vache. À l'aventure! Et c'est bizarre que c'est pas compté comme une lettre, ça. Ah, c'est Bianca, oui, c'était l'onglet à part, exact. Je vous parle comme si on me l'avait dit dans le chat alors que je suis en off. J'ai un chat dans la tête. Maintenir. Ok.
Wouhou! Oh! Non! Non! Attends. Oh là là. Oh là là. Je vais faire bugger le jeu. Attendez, on va déplacer la corde si je peux. Oh la bêtise. J'ai fait la bêtise. Bon, c'est pas grave, on descend comme ça. Est-ce que je peux? Je pense que oui, hein. La bêtise. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je saute. Comment je relâche? Je peux même pas, en fait. Je peux poser un piton, là? Je vais faire bugger le jeu, vous allez voir. Je vais vous montrer comment on joue un jeu. Ah, zut. Bon, ben... Oups. Wouhou! Ah! Attendez, je peux peut-être le décrocher, là. Oui! C'est bon. Non! Ben non, ben... Non. Évidemment que non. Kefa, là. On recommence. On est bon, là. On est bon, on est bon. Ah, mais on peut encore monter, là-haut? Attendez, il y a des trucs encore, là-bas. Faut pas redescendre. Ah, là-bas, oui! J'ai même pas fait gaffe. Non, mais franchement... Wouhou! Allez, on va y arriver. Waouh! Faut que je lâche du mou. Ah ben. Alors attendez, si je descends encore et que je m'accroche. Voilà. Oh, d'ailleurs. Il me l'avait montré, le X. C'était où? Là. Oh la vache, fallait pas le rater. On aurait dit un bug. Attendez. Ah non, y a rien. Où est-ce que je suis censé aller? Peut-être que je peux longer un bord. Non. Ah. Là. Pas mal. Oh là là, pas mal. Oh là là, regardez-moi. Oh, regardez-moi cette hauteur. Allez, j'en pose un là parce que... Oh non, c'était facile. Parfait, parfait, parfait. Allez. Prends du service. Non. Ok, donc là... Et je repose un, et... Ah, peut-être comme ça. Ouais. Grimpe, voilà. Ah, c'est excellent. Ah, là, il y a un courrier. J'ai demandé l'aide de Mo, mais rien n'y fait. Cette porte ne veut pas s'ouvrir. Pas moyen de comprendre comment se déclenchent ces rouages. Est-ce que ça a un rapport avec l'océan disparu? Mo n'est pas bien bricoleur non plus, mais à nous deux, on aurait quand même dû y arriver. Il a dû lever l'ancre. Rendez-vous galant, qu'il m'a dit. C'est vrai qu'il avait l'air bien apprêté pour faire de la bidouille. Et parfumé. Tout ça ne répond pas à mes questions. J'ai beau t'avoir exploré de la cale jusqu'au pont, je ne suis pas plus avancé qu'à mon arrivée. Je ne sais toujours pas à quoi tu pouvais bien servir, mon phare. Tes peintures ont l'air de parler de l'eau qui tombe du ciel, mais c'est bien vague. Que faire désormais? Bon, ok. Donc l'océan est parti. Je peux pas m'accrocher à cette corde? Non. L'océan est parti. Il y a un délire autour d'une pluie prophétique, j'imagine. Et je vais où là? Ok, attendez, je regarde juste un truc. Ah ouais, non, ah, j'en rate des lettres.
Dis donc, j'en rate, j'en rate. Ah, on est. Ah, ben voilà, on est. C'est ça le phare. Ah, c'est ça la pluie qui tombe. C'est quoi ça? C'est un poisson? On sait pas. Le soleil. Ah, c'est les gouttes qui grossissent. Et ensuite, ça s'écoule. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a 5 trucs. Y. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui. Ah, trop mimi. Parfait. Eh bien, rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau chapitre.